Burkina Faso, Assoul de Benga. Quand je te vois, je suis trop content. Traoré. Traoré, toi et ma soeur, quand je te vois, je suis trop content. Je sais pas pourquoi. Et puis je te connais même pas en visage. Ton nom, c'est bon, me fait sourire déjà. Hein? William Nyukuri, c'est la nature de l'homme, de toujours parler de son prochain. Yeah, Danodo, Kuma Chama, Danodo, ils sont. Ah, Kuma Chama. Obe Kuma Fola de Kona, Kuma de Vene Tonola. Obe Kuma Fola de Kona, Kuma de Vene Yagi. Asao, Kale, Oli, Wifi, Kale, 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 Aïcha, you're welcome. C'est ce qui te fait souffrir. C'est pour tous ceux qui parlent derrière nos dos là. Ceux qui parlent dans nos dos. C'est ce qu'on dit dans ton dos là. C'est ce qui te fait souffrir. Qui a combattu aussi? Si tu as combattu, ils ont parlé de toi dans ton dos. Hey, merci pour les stars. Thank you for the stars. Thank you for the stars. On a tout donné aux amours, mais seront jamais reconnaissants. Je vais enlever ça les sans m'éplodir. Pas de reconnaissance. On va remettre même à tes mains. Il est aussi là, ça ne t'aime même pas. En bivouac, j'ai même pleuré pour des amis qui étaient confrontés à des situations compliquées de la vie. Mais moi, mon tout là-haut, c'est mes amis n'ont jamais pleuré pour moi. Même plus que ils se régissaient. Et moi couché dans ma solitude, j'attendais que le bon Dieu vienne me tirer. Vitro, Franky au cacao. Chacun de nous a son trou là-haut, Dieu l'a sorti là-haut. N'oublie jamais sa profondeur, car la vie là c'est des vents. Coupé le Sénégalais. C'est Kaleo, 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 Ali Kafal. C'est Kaleo, 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 Kaleo. Président MBC de la génération consciente. International Eli Koubi, t'étais désiré l'aigle. Ingénieur Agafou, Masgradel, banner le transporteur. J'espère que vous allez bien. C'est Défaut Star. Un petit live rapide. Chap chap. Parce que je voulais parler à un petit frère. Je voulais parler à un petit frère. Voilà, un petit frère qui peut-être regardera ma vidéo un jour. You know? Si vous partagez ma vidéo, peut-être il va regarder la vidéo. Je vais lui donner un très bon conseil. You know? Je vais lui donner un conseil de grand frère, peut-être même de père, parce que voilà, il a 19 ans quand même. Donc, partagez ma vidéo. C'est concernant l'émission NCI de la Côte d'Ivoire. NCI, je crois, c'est notre chaîne ivoirienne, un truc comme ça, ça s'appelle. De hier. Voilà, l'émission d'hier. L'émission d'hier, les femmes d'ici, je crois, l'émission s'appelle.
une très belle émission que j'ai suivie hier. Un chapeau en tout cas aux dames qui étaient là hier. Un chapeau à ces dames-là parce que voilà. Voilà, elles ont l'air d'être des dames qui se sont battues pour être où elles sont, des femmes battantes, des femmes opinionated, des femmes qui ont des opinions. C'est intéressant, en tout cas, j'ai bien apprécié. C'est pas comme des émissions, ils font des émissions à la CON, là, où ils invitent des violeurs et tout ça. En tout cas, ils ont bien fait. L'émission, j'ai aimé. En tout cas, j'aime cette émission qu'elles font. C'est des faits divers, c'est des faits qui parlent des choses que nous vivons. Voilà, des trucs courants, quoi. Donc, j'ai voulu donner conseil aux petits de Ozoa. Je sais pas si vous avez regardé l'émission. Je sais pas si vous avez regardé l'émission. Partagez mon live, s'il vous plaît. Partagez-le. Je suis Défaut Star, si c'est la première fois que vous me voyez. Parce que l'émission hier parlait de beaucoup de choses. Il parlait de papas inconscients, you know. Parlait des mamans qui, malheureusement, ont eu à peut-être, you know, faire confiance à des mauvais gars, à des mauvais messieurs, mauvais jeunes hommes et tout ça. Et je parlerai spécialement de Ozoa qui était à l'émission, qui a eu à couler des larmes parce que... Attends, j'ai arrêté la musique. Ozoa a eu à couler des larmes. Elle a eu à couler des larmes parce que voilà, malheureusement, Ozoa, c'est une dame. J'ai fait un truc. J'ai un YouTube qui est là. J'ai une vidéo sur YouTube où j'ai dit... c'est l'homme qui fait l'homme. En gros, voilà. En gros, c'était le titre. Le titre, exactement, je ne me rappelle pas. Je crois que le titre, c'était quoi le titre même. Mais en gros, c'est l'homme qui fait l'homme. Attends, je vais vous dire c'est quoi le titre. Allez vous abonner sur ma page YouTube. Vous allez savoir, vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train de dire. Parce que voilà, certaines personnes qui disent que oh, je me suis fait moi-même là. Ça fait plaisir de voir que Ozoa a été aidé par quelqu'un. Allez regarder l'émission, la NCI, les femmes d'ici. Ils ont fait ça hier. C'est une belle émission. Ça a été une belle émission en tout cas hier. Allez regarder l'émission. Je vous dis mon YouTube c'est quoi. Et puis bon, allez là-bas aussi. Dites-moi, donnez-moi en commentaire ce que vous pensez de ma petite vidéo. Parce que j'ai fait des vidéos pour me mettre sur YouTube aussi. Je vais être un YouTuber à la base. Je vais être un YouTuber. Donc voilà, j'ai pas trop de personnes qui me suivent là-bas. Aidez-moi à en avoir un peu de popularité là-bas. Ça ne me dérangera pas. Voilà, mon titre, le titre de la vidéo, c'est « Personne ne se fait soi-même ». Voilà, ça c'est le titre de ma vidéo que j'ai mis sur YouTube. « Personne ne se fait soi-même ». Et j'ai voulu aussi qu'on ne se laisse pas changer par le comportement des personnes que nous aimons. Donc voilà, c'est une vidéo... Allez-y là-bas, essayez de me donner en commentaire ce que vous pensez, ça me fera plaisir. Donc ma vidéo aussi, elle va un peu... Oh, I don't know if I can come here. La vidéo aussi, elle est... elle va dans le sens de Ozoa, parce que Ozoa a été aidée. Elle a été aidée par quelqu'un qui la voyait gérer une cabine téléphonique. Malheureusement, la personne est décédée. C'est dommage que les personnes gentilles n'en éduquent pas sur Terre. Donc, Ozoa, c'est une jeune homme, c'est une jeune femme. Qu'est-ce que je raconte? C'est une jeune femme qui a pris sa grossesse rapidement. Elle a eu, pas rapidement, elle a pris sa grossesse à un jeune âge, you know. Elle a pris sa grossesse à un jeune âge. Elle avait, je crois, 18 ans, 19 ans. Elle a pris une grossesse. Voilà, elle gérait une cabine téléphonique, il y a un monsieur qui l'a vu, qui a voulu l'aider. Elle, son rêve, c'est de devenir coiffeuse. Donc, il a aidé, il a aidé pour devenir ce qu'elle est devenue. Je parle juste de cette anecdote-là pour montrer que voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. Même si tu penses que les gens ne te font pas, c'est forcément quelque chose qui passera par quelque chose pour te faire toi. Même si ce n'est pas directement, indirectement, you know, c'est l'homme qui fait l'homme. Voilà, en gros, ma vidéo, elle est là-bas pour aller regarder. Donnez-moi en commentaire ce que vous pensez, tout ça. Voilà, donc pour revenir sur Ozoa, c'est que Ozoa, elle a eu un enfant. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, you know, à son jeune âge, le monsieur qui l'a enceinté n'a pas décidé d'être père. Au fait, il n'était pas prêt à être père. Donc, il a dit à Ozoa carrément que lui, il ne voit pas Ozoa et le bébé dans son futur. Ce qui est tellement énervant. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils sont là. Parce que voilà, on fait des vidéos déjà pour parler à ces jeunes personnes. Moi, je suis venu juste pour parler au petit frère, au fils. Voilà, je suis venu pour parler à ce jeune homme-là. Parce que voilà, Ozoa a pleuré parce qu'elle voilà, c'est un peu. C'est pourquoi on donne des conseils aussi pour que, you know, les gens essaient de faire de bonnes choses aujourd'hui. Parce que tout peut être rattrapé dans le futur. Ozoa était jeune, donc elle a fait des bêtises. Bon, elle a fait des erreurs qui arrivent à tout le monde parce qu'on est imparfait. Et voilà, son erreur est en train de la rattraper aujourd'hui. Donc, au fait, son fils a 19 ans et il veut connaître son père. Il n'est pas content avec sa mère. Donc, je crois qu'ils ne sont pas en bon terme. Si, ça fait des moments qu'ils ne se sont pas vus et tout ça. Donc, elle a coulé des larmes parce que voilà,
elle sait pas où le père est. Elle sait pas où il est. Le monsieur, il a disparu. Donc, en gros, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez comprendre. Moi, ce que je vais dire, partager ma vidéo, ça va dire, je suis le petit frère. Je suis le petit frère, you know, le frère. Ok? Moi, je pense que tu dois pas stresser ta maman. Il faut pas que tu stresses ta mère. Ok? Tu me connais pas. Si tu vois ma vidéo un jour, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans six ans, dans je sais quoi. J'espère que tu auras des conseils des gens et puis bon, voilà, tu vas te ressaisir. Mais c'est dommage que, voilà, ce monsieur qui est ton père a voulu partir parce qu'il veut voir le père. Le jeune homme, il veut connaître son papa. Il embête sa maman, il veut connaître son papa aujourd'hui, J'espère que le papa, il va venir. J'espère qu'il va venir à son bon sens. Il va rentrer en contact avec l'émission pour rentrer en contact avec la mère, pour que la mère aussi, voilà, voilà, pour que l'enfant voie son papa. Parce que c'est tout à fait normal que tu voies ton fils. Vous ne pouvez pas faire des enfants comme ça dans la nature et puis disparaître. Ce n'est pas normal. Toi, tu n'étais pas prêt pour avoir un enfant. Tu ne voyais pas la maman de l'enfant là dans ton futur, avec le bébé dans ton futur. Tu ne t'es pas préservé. Maintenant, un bébé est sorti dedans. Et tu disparais. Ton fils a grandi, il a pris de l'âge. Il veut te connaître. Je ne sais pas pourquoi il veut te connaître. Parce que le fils, il a été élevé par son beau-père, qui malheureusement aussi est décédé. Il y a des années de cela. Donc, il veut connaître son papa biologique. Moi, vraiment, les enfants qui font ça là, je ne peux pas les en vouloir, mais vers la fin, je me demande, vous voulez connaître votre papa qui vous a abandonné là, pourquoi même? Quelqu'un qui dit, il ne veut pas, il t'a laissé, tu veux le voir pourquoi? Toi, tu veux connaître le monsieur là pourquoi? Ton papa, il est dans ce monde là, s'il vit là. Il n'a pas voulu toi te rencontrer. Toi, tu veux le rencontrer, mon petit, je te parle fa-fa. Tu veux rencontrer quelqu'un qui a abandonné ta maman. Ce monstre qui a abandonné ta maman t'a élevé pendant 19 ans seul là. Toi, tu veux le rencontrer pourquoi, mon frère? Il ne te veut pas. Un papa comme ça, il ne te veut pas. Il faut travailler, il faut réussir, il faut faire plaisir à ta maman. Ton papa, ton beau-père, il est malheureusement décédé. Donc, c'est ton beau-père au fait qu'il était ton père. Ton père, il est parti, il ne te veut pas. Il faut le laisser où il est. C'est moi, je te parle. C'est des maudits. Des papas qui laissent leurs enfants comme ça disparaître pendant des années, même pas un an, deux ans, trois ans. Mais il est parti, ça fait 19 ans. C'est un maudit. Je te dis à ton père, c'est un maudit, mon petit. Il faut laisser ton père, il est maudit. Parce qu'il va venir quoi maintenant, parce que voilà, l'émission va passer à la télévision et puis il va se sentir un peu gêné pour venir. C'est un maudit. Il vient pas avec de bonnes intentions. Il vient parce que peut-être il va se dire que oh, on sait jamais dans la vie, faut pas dire il va me punir. Il est maudit, il est parti. Il faut le laisser. Il faut pas faire pleurer ta maman. Ta maman t'a élevé. Pendant 19 ans, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Toi, tu peux venir sur ma route comme ça, pourquoi? Ta maman t'a élevé pendant 19 ans. Il faut pas faire pleurer ta mère pour un salaud. Ton père est un salaud. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé pour ceux qui me regardent ici. Je ne veux pas être grossier. Mais moi, ça m'énerve tellement. Ça m'énerve tellement. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens. Nous vivons dans 2000. Je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens vont se permettre d'avoir des enfants et puis partir. Et pour dire que non, ils n'étaient pas prêts pour avoir des enfants. Mais il ne fallait pas avoir des relations sexuelles. Il ne faut pas avoir des relations sexuelles. Parce que voilà, nous tous, ça, nous sommes des hommes. Donc, si nous n'avons pas eu des enfants indésirés, là. Pourquoi vous pensez que vous pouvez avoir des enfants indésirés et puis partir? Moi, je ne peux pas comprendre. Et puis, un autre monsieur n'a qu'à venir s'occuper de vos enfants. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Donc, mon petit, ton père, il n'a pas voulu que tu viennes au monde même. C'est quand même encore grave. C'est-à-dire ton papa, là. Il voulait même peut-être que ta maman, là, t'avote. Mon téléphone est en train de mourir, en train de décharger ça. Il a chargé. Ton papa a voulu que ta maman, même, t'avote. Ton papa, hein? Parce que imagine mon petit, imagine ta maman, elle s'est sentie tellement frustrée qu'elle a voulu faire un curettage. Tu allais être mort mon petit. Il faut être en jaillet de la vie. Il faut te dire que ton papa là, c'est pas un papa qui est bon pour toi. Il faut faire plaisir à ta maman. Il faut remercier ta maman de t'avoir gardé. Dis qu'à aujourd'hui là tu as 19 ans, peut-être même tu vas connaître femme. Si c'était pas à cause de ta maman là, tu n'as même pas connaître peut-être femme aujourd'hui. Tu n'as même pas savoir même. You know, tu n'avais pas connaître le bon du mal. Donc moi je pense qu'il faut que vous vous ressaisissez. Vous les jeunes hommes, les enfants qui avaient eu la chance d'avoir des mamans qui ne vous ont pas avorté là. Soyez quand même gentils avec ces mamans là. Ne les stressez pas cadeau. Ne stressez pas vos mamans cadeau. Ne stressez pas vos mamans cadeau. Ton papa, il est parti. Il est mieux où il est. Laisse-le où il est. Sorry. Ça me passe. Laisse ton papa où il est parti.
Et vraiment, vous les messieurs, les jeunes hommes qui prenez pas vos responsabilités là, vous ne pensez pas que vous exagérez un peu quand même? Vous exagérez. Vous pouvez faire des enfants partis et puis quelqu'un d'autre n'a qu'à s'occuper de vos enfants. C'est pas exagéré ça. Vous prenez pour qui? Hein? C'est dommage qu'elle a pleuré même sur la toile. Elle va pleurer pour un monsieur qui est parti. Quelqu'un qui est parti comme ça, il faut le laisser partir. Vous les femmes aussi, essayez de vous revoir. Hein? Essayez de vous revoir parce que voilà. Je ne vais pas forcément vous blâmer parce que voilà, un diable reste un diable. Mais essayez de quand même savoir que le diable, il s'habille en Prada. Hein? Le diable s'habille en Prada. Donc tu as fait un an avec un monsieur, elle a fait un an avec le monsieur là. Elle ne sait pas si elle peut appeler sa relation, mais un an, tu peux quand même connaître, you know. Je ne suis pas ici pour la blâmer, je suis venu pour parler juste à l'enfant, mais un an de relation avec un monsieur, pour un jeune homme, pour whatever, tu peux quand même savoir quel genre de personne il est, tu peux savoir quel genre d'avenir il veut. You know? Tu ne travailles pas. C'est pas, elle, je vais donner des conseils maintenant à vous qui me regardez, quel jeune, là, le fille, là. Vous ne travaillez pas, mais prenez vos précautions. Il y a des pilules, il y a des préservatifs. On va venir vous faire des cours de sexe ici. En 2021, est-ce que ça existe encore que les gens prennent des grossesses comme ça et puis disparaissent? Prennent des grossesses comme ça et puis ne peuvent pas s'en occuper? Mais attendez. Hein? Il ne faut pas que ça continue parce que voilà, vous emmenez des enfants dans ce monde et puis ces enfants-là maintenant sont là maintenant et puis ils vont stresser dans le monde. Parce que quand ces enfants-là sont stressés et ces enfants-là sont dans le monde où nous vivons là, c'est ces enfants-là qui sont nous on subit le stress ou le comportement négatif de ces enfants. Parce qu'apparemment, il ne va plus à l'école, le jeune homme. Il a commencé à ne plus prendre ses trucs au sérieux. Imaginons cet enfant-là peut-être va à la dérive et puis il devient quelqu'un dans la société qui est quelqu'un de néfaste. C'est nous autres là, on paye tout ça. Donc vous, les jeunes filles, les personnes qui vous avez des rapports sexuels, hein? Moi, je ne sors pas ici pour être vraiment direct comme ça, mais franchement, ça énerve. Ça énerve. Vous prenez vos précautions. Prenez vos précautions pour ne pas envoyer des enfants dans ce monde qui... vont devenir des personnes néfastes. Voilà, moi, c'est une petite vidéo parce que ça m'a énervé en même temps. Quand je regardais la vidéo, ça m'a énervé que ce papa là est parti. Et ça m'a énervé aussi que, voilà, la maman Ozoie a eu à prendre une grossesse avec quelqu'un qui, elle a fait un an, elle a dit. Et elle n'a pas su qu'elle était avec un monstre. Parce que moi, je les appelle des monstres. Je les appelle des monstres parce que c'est des gens qui you know, qui sont prêts à faire des choses pour les avortements, faire des choses. Quand tu dis à une femme que tu n'es pas prêt pour la grossesse, tu vois pas l'enfant et elle dans ton futur, tu sais quoi au fait? Tu es indirectement en train de dire, vois-tu l'enfant? Et de te meurtrier comme ça. Tu es indirectement en train de dire, tu l'enfant. Donc tu vas mettre la femme en danger, tu mets aussi l'enfant en danger. Et puis ils sont dans la rue là, ils sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre. Toi aujourd'hui, tu vas te lever en tant que le fils et tu veux connaître ce monsieur là. Le monsieur va t'apporter quoi? Pendant 19 mois, il t'a rien apporté. En tout cas, je vais vous laisser. C'était juste ma petite vidéo, ma petite réaction par rapport à cette émission. C'est une bonne émission que je suis souvent. Il fallait que je sorte. Il faut que cette vidéo-là, le petit, il faut qu'il voie ça. S'il y a des enfants qui sont en train de partir peut-être dans ce même, qui ont ce même problème que ce jeune homme, j'espère qu'ils vont voir ma vidéo et puis ils vont se ressaisir. Laissez vos papas qui sont partis là, laissez-les là où ils sont. Les gens n'ont qu'à vous traiter de méchants après ça, c'est leur problème. Parce qu'ils ont eu à faire ça avec l'autre, là, le chanteur Diamond Platnum. Diamond Platnum is not taking care of his. Diamond Platinum ne prend pas soin de son père parce que son père a abandonné lui et sa mère. Aujourd'hui, on dit qu'il est une star, il ne prend pas soin de son père. Mais c'est ça, c'est ce que le père mérite. Quand tu abandonnes un enfant avec sa maman, là, c'est ce que tu mérites. C'est intéressant, même si tous les enfants pouvaient réussir pour devenir des stars, des célébrités, des millionnaires. Comme ça, ses parents inconscients, là, ils vont voir que dans la vie, là, you know, on ne s'amuse pas comme ça avec l'avenir des gens. Là, tu as un enfant et puis tu as parti. Puis quand l'enfant va devenir quelqu'un, l'enfant n'a qu'à te reconnaître. C'est bien. Hein? Peut-être des faux stars, je vous laisse. Portez-vous bien, en tout cas, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Il faut que ça parte. Ça n'a qu'à partir sur les personnes qui sont peut-être dans le même problème que le jeune homme. Il faut que les filles aussi qui sont dans ce genre de problème aussi. Voilà, il faut que ça parte. Il faut que la vidéo parte. Et ça, c'est important. C'est des choses à partager. Peut-être défaut ça, portez-vous bien. Et, on cause encore demain. Demain, on a notre émission. Demain, samedi, non? Je crois demain, samedi. On se dit tout ce soir, demain, c'est toujours demain. Ok? Donc, on va se voir demain. Voilà. Take care. All right.